désigne un nouveau juge d'instruction, c'est M. Merlan Belab, et pour capable faire reste instruction dossier. Merlan Belab, immédiatement, nous avons dit nous avons trois bagages de lui. C'est un magistrat qui est issu de troisième promotion à l'école de la magistrature. Son magistrat qui est diplômé dans l'école de la magistrature. Et ma mère, je vous confirme tout. Magistrat Merlan Belab, de prendre formation à l'étranger dans l'école de la magistrature de Bordeaux. Et en 2010, nous avons eu avec Magistrat Belab, nous avons Bordeaux ensemble dans la formation. Alors, dit, son magistrat qui compte ça l'affaire. Nous estimons qu'il a fait travail là et notamment Del tout. Pour y aller en tigeon vite, tant qu'on a dit dès le début, nous pensons que ce système de justice pénale pays qui est en jeu, ça veut dire qu'un dossier comme ça ne va pas arrêter impuni. Il faut que nous montrions que nous avons fait instruction dossier dans le délai de la loi fixée. En plus, pour montrer tout, nous sommes capables de juger n'importe qui. Nous faisons une réunion dans quatre bagages. Et là, nous faisons réunion, ce n'est pas pour tout droit seulement, non. Réunion, ça est toujours grand pile, monde là-dedans. Et même au plus haut niveau de l'État, nous faisons réunion sur ça, Premier ministre, chef cabinet, secrétaire général, primature, palais national, ministre de la Justice, et CSPJ, pour nous faire des dossiers, ça est dossier qui est prioritaire dans le moment. Et dans la réunion, nous avons toujours décidé que faut que le juge gagne tout ça, il a besoin comme moyen pour être capable de faire enquête là. Et il était décidé tout dans la réunion, ça il faut que je cherche un côté décent pour mettre le juge pour être capable de faire enquête là. Nous avons parlé dans le local que deux juges, ça veut dire ni dossier enquête sur assassinat président Jovenel Moïse là, ni dossier enquête sur assassinat Bâtonnier Dorval. Je ne dis pas que le dossier pas important, non, mais le dossier ça est comme si vous mettez justice pénale nous en devant, au devant de la scène. A le dit yo fait de yo dossier prioritaire, a le dit deux juges qui a gagné un dossier sa yo, y a mette yo non condition pour le travail. Ça veut dire yo obligé un bon bureau pour le travail, yo obligé ba yo moyen tout pour le travail. Nous te discuté tout ça yo, nous pensons à partir de semaine prochaine, ni juge qui gagne un dossier enquête sur assassinat président Jovenel Moïse là, ni juge qui gagne un dossier enquête sur assassinat Bâtonnier Dorval là, yo va commencer le travail, parce qu'il y a ba yo espace tout. Qui descend pour le travail. Nous avons plus que 3 mois de cela, nous avons désigné le magistrat Louben Célizé pour être capable de poursuivre l'enquête là, parce qu'on connaît le juge Renaud Régis, il a déporté. Il a été démissionné, puis il a demandé pour être désigné l'autre juge. Nous avons dit le magistrat Louben. Bon, le magistrat Louben n'a pas de jambes rivées pour un dossier, il a posé problème moyen. Bon, nous avons fait un dernier chita avec lui, si toutefois il n'a pas continué le dossier, comme c'est nous-mêmes qui devons être administrateurs du tribunal, nous avons désigné l'autre juge pour continuer l'enquête là. Parce que dossier ça yo c'est des crimes qui pas arrêté impuni. Nous féliciter la police qui défend bon qu'on a travaillé là déjà, l'irrité pour la justice sur le faire reste là pour y rendre ordonnance cap saisir tribunal criminel et penser là ça n'a capable faire des procès pour capable dit publiquement mais qui monde auteur co-auteur complice de assassinat ça yo. Profiter de l'espace ça pour nous féliciter publiquement directeur central police judiciaire là inspecteur général Frédéric Lecomte qui collaborait avec nous. Li aide nous reconstituer dossier. Ça veut dire tout dossier à reconstituer à partir de semaine prochaine. Nous pouvons faire Jean Connais pour juge là relancer enquête autour de l'assassinat du Bâtonnier Dorval.